Best of 3, forcément, encore une fois, phase de poule. Donc il y a vraiment pas mal de monde sur Smash Bros. Historia, hein. Je rappelle le principe, c'est un match sur un tournoi sur chaque jeu de la série Smash. Enfin bref, on parle, mais ça commence du coup Tech qui prend le petit Fox, hein, le fast follower de base, le perso pété de mêlée, il se prend pas trop la tête, il se dit bon allez ça va marcher aussi sur Project M. Joli compte de la part de Dato. Dommage que ça allait pas faire bondir sur le stage, après il aurait pu taker. C'est quand même dommage. Après faut savoir que la version PM garde Fox et Marf tels qu'ils étaient, très peu de modifications ces deux personnages, donc les joueurs de mêlée seront pas trop perdus en les jouant. C'est pour ça que je pense qu'ils ont pris ces personnages-ci, au moins ils sont sûrs, ils les connaissent. Ils seront pas trop paumés, c'est à peu près les mêmes bases. Et surtout, on les retrouve dans la version NTSC, c'est-à-dire du coup, qui sont légèrement différents que la version européenne à laquelle vous avez pu jouer. Par exemple, Marf a joli smash avant sur ce OB. Il a bien vu la trajectoire, il savait qu'il avait pas visé le bord, il l'a attendu, le smash avant bien typé comme il fallait. Joli chain grab pour le moment, en tout cas il l'enchaîne pas trop mal, malheureusement ça se relève. Et la contre-attaque du Fox. Du coup justement ce qui est intéressant dans la fake de version américaine, c'est que Marf est un petit peu plus lourd, ce qui fait qu'il peut se faire wave shiner par Fox par exemple. Donc à chaque fois qu'il va mettre un shine, le petit bouclier brillant là de Fox, il va pouvoir en enchaîner, glisser et en mettre plusieurs. Joli upper sur la descente de plateforme, il l'a vu, il l'a senti. Tout ce qu'il fallait, il l'a bien. Belle lecture. Oh cette feinte, il l'attendait Pepper, il a juste mis la pression, il attendait la spot dodge pour lui mettre ce smacho. Smacho du coup justement qui est plus puissant sur le Fox de la version américaine, la version NTSC, donc je pense qu'il est plus puissant ici que dans la version mêlée. Jack c'est un smacho puissant, il est encore plus puissant, donc un smacho de Fox, c'est la mort assurée. Et c'était bien joué de la part de Dato, mais magnifique de la part de Tech, ce petit shine pour éviter la dernière attaque, juste histoire d'esquiver, temporiser un peu dans les airs, lui retomber dessus derrière, c'était beau. Mais ce smacho avant fatal, il le tranche, il le repousse, pas possible, il ne passe pas du tout. Tu me dis quand c'est bon, t'inquiète pas, je le mets un peu plus droit vers moi en fait, comme ça. Plus éloigné. Ok d'accord, tu me dis si jamais, hein. Du coup, voilà, salut Kimi, salut. Et du coup, joli smash encore une fois de la part de Tech sur le Marf. C'est un match assez serré quand même, mine de rien. Deux stocks, ça... C'est serré, c'est tendu. Le grabot qui passe pour le moment, le petit biker, malheureusement ça ne touche pas. Là ça prend un peu ses distances, un petit pression dans le bouclier, mais Dato très vite qui fait une roulade pour s'en sortir. Du coup Tech qui ne suit pas derrière, c'est un peu dommage. Là le webshine très vite il recule, il prend ses distances, il attend, il remet la pression. Malheureusement ça passe pas au-dessus, il descend, il saute tout en dessus, il met son petit shine, il remonte très vite, il fait pression sur la plateforme pour vite repartir, le suivre, jouer avec son environnement, il sait faire ça très bien. On voit que Gatouchement la descente vite des plateformes. Là où Tech le contraire veut rester un peu en face à face, en tout cas tout faire pour le monter. Dès qu'il est au-dessus, on voit qu'il met son bouclier, il sait que c'est une zone de danger en quelque sorte. Et la dash attack, et c'est le père très bien joué de la part d'Ato qui deux fois a esquivé le coup mortel. Et malheureusement, ça passera pas la troisième fois. Ça ne passera pas la troisième fois. Il a beau avoir esquivé le EPR avec une jolie smash DI, le smash show sur le jab avec une jolie smash DI, mais malheureusement ce n'est pas passé juste derrière. Tristesse. Du coup Tech qui prend l'avantage vu qu'il ne l'avait pas sur le début de ce match. Dato qui met la pression, qui repousse un peu avec ce jab. Le petit blaster, je ne comprends pas, ça devait pas être un blaster, je pense que c'est un chaîne, au moins qu'il voulait troller, je ne sais pas trop, mais ça m'étonnerait. La femme, malheureusement, ça repousse un poil trop loin et l'avant B, qu'il le plaque au sol, ça a pu permettre de le défendre. Malheureusement, le bagarre qui va se faire le deuxième. Si Dato un peu perdu dans la vitesse du Fox, le sweet spot dépassait un peu, mais Tech avait choisi le grab, malheureusement, ce n'est pas passé. Là, ça passe, le petit bagarre, il repousse le Marf, il attend. Il avait une petite occasion, mais il a peut-être fait la roulade, mais le smash avant de Dato qui repousse Fox, qui est dans une mauvaise situation, qui revient et le tilt haut. Qui couvre parfaitement, que tu sois en haut, devant, n'importe, ça envoie en haut, sur les côtés, c'est le tilt haut de Marf de toute façon, ça balance dans tous les sens, s'en fout un peu. Là il le touchait, 119%, ça devient chaud, il est beaucoup trop loin encore ce deuxième, ce qui remonte, mais le monopole malheureusement. Victoire Tech pour ce premier match. T'entends ma voix suave, Kimi? Ah, Kimi. Je suis tristesse que tu ne sois pas là aujourd'hui, j'espère que tu seras là demain d'ailleurs, hein. Je vois que t'avais des trucs à faire aujourd'hui, mais t'as rien à faire demain. Tous les Grenoblos autant que vous êtes d'ailleurs, hein, les Lucas, les machins, là, les CF, tous, il y en a trop, il y a trop de noms, je ne vous tiendrai pas tous, mais je sais que vous êtes tous vos têtes, venez, c'est dommage, je n'étais pas là, je veux dire. Il y a Dijon qui est représenté, il y a Montpellier qui est représenté, il y a Paris qui est représenté, Lyon évidemment, certainement d'autres coins de la France que je ne connais pas forcément. En tout cas, ça représente tous les côtés, mais les Grenoblois, où êtes-vous? Où êtes-vous, Grenoble? Où êtes-vous? Je suis tristesse. Du coup, en tout cas, là, c'est la petite phase du coup de stage strike, enfin de banning. Du coup, ça bannit les deux stages de droit, donc Fontaine des Rêves et Sky machin. Et Yoshi Story, il veut pas un petit stage, il veut un petit un peu plus grand que les LC stages petits. En tout cas, il voulait pas de plateforme
un peu relou, genre la Yushtori, je pense. Et du coup, ça reprend sur Pokémon Stadium. Du Fox et du Marf, encore une fois. Ça met un peu la pression pour le moment. Ça roule malheureusement dessus, ça se fait graber. Le up tilt. Très vite, il retourne pas sur le Marf, on a vu. Il essaie juste de tomber en plein sur le bord du stage pour être suffisamment loin, esquiver la portée de l'épée de Marf. Et après, il a attaqué, il a juste pris ses distances avant de pouvoir avant de se jeter sur lui. Là, ça revient, Jolly Shine. Il l'a forcé à ne pas faire un monopole en s'accrochant. Il a été obligé de revenir sur le terrain. Et là, le petit Shine, hop là, Jeter pousse, qu'est-ce qu'il y a? Il le court sur la plateforme, mais Jolly Tech de la part d'Atou qui esquive la pression du Fox pour le moment. Mais c'est quoi ces musiques, sérieusement, quoi? Putain, mais c'est le générique du premier Pokémon, là, ça sur. Ça fait super ça. Ah, même pas, c'est les endings, genre, avec les Pokémon. Je suis désolé, ça me perturbe un peu. En tout cas, ça repousse pour le moment. Tech qui arrive bien au bouclier, qui prend ses distances. Il attend que l'arbre monte. On voit qu'il va pas le chercher. C'est Dato qui vient. Dato qui tombe dans le piège de Tech. Joli contre. Assez soudain, inattendu. Et le tilt haut pour se protéger de l'attaque. Qui repousse le Fox. Malheureusement, la fin un poil trop tard, un poil trop bas, je pense. Mais c'était vraiment, vraiment un rien. C'est vraiment dommage. Ça tourne un peu, ça attend. Ah, c'était quoi ce mode jump de Tech? C'était marrant ça. Et le up smash qui passe sur un double hit sur la fin. Ça tue l'adversaire d'Ato qui a déjà plus que 2 stocks. 4 pour Tech, bien qu'il a de haut pourcentage. Joli Tech de Tech sur l'arbre. Et le père qui passe à 78%. Forcément, faut bien que ça tue au bout d'un moment. Hein. Je veux dire, bon, faut arrêter d'abuser. Sous Pokémon Stadium, a pas un plafond d'élimination très très haut. Donc tuer les gens par l'eau, ça peut se faire. Du coup, c'est un bonheur pour Fox. D'ailleurs, du coup, donc, maintenant, ça, pourquoi ce stage de la part d'Ato? Un stage tout un peu plus grand, pas de plateforme. Il pouvait moins jouer en allant en haut, en bas, sur les côtés. Plus un truc latéral. Mais c'est risqué du coup parce qu'il peut perdre sa vie très vite. Mais très joli ce match avant. La plateforme du tube par contre pour le coup qui est à distance parfaite du match du tipper de Marf du coup. Donc forcément Fox sur la plateforme du tube ce match avant blesse, ça perd sa stock. Du coup Dato qui revient dans la partie, bien que beaucoup de pourcentage quand même. Il avait 2 stocks de retard, les stocks sont égales. Il le suit, magnifique ce match avant encore une fois en tipper. Il n'a plus qu'à être gardé. Il rate ce match avant d'un rien. Quelle tristesse, mais Tech lui ne va pas le rater. Et malheureusement si, Dato qui a bien attendu, qui a bien feinté, il a attendu voir ce qui allait se passer. Il a fait la roulade un peu après. Tech qui s'est fait avoir, du coup il s'est fait bait par cette attente justement. Il le suit, malheureusement ça ne passe pas. Saute le back air un peu trop sur la montagne, il ne fait pas Techer, mais il revient, va-t-il s'accrocher? Il s'accroche sur la montagne pour très vite repartir. En effet vous pouvez vous accrocher là-dessus, du coup ça fait un appui pour vite partir, ne pas rester en petit coin sur le compte Fox. C'est des shines à gogo, l'espace est très court. La grande épée de Marf à ce moment-là ne sert plus à rien, hein, n'est-ce pas? Et Fox, lui, c'est un bonheur au corps à corps, donc il se fait plaisir. Le tilto qui envoie dans le mauvais sens et le neutral très propre. Est-ce qu'il va viser le bord? Ça vise le bord, mais le B qui ne passe pas, mais le neutral qui couvre la remonte en sautant de Tech. Encore une fois, il vise le bord. Malheureusement, Dato, du coup, tu ne tentes pas de monopole. Ce tilto, encore une fois, qui l'envoie derrière. Tech qui reste coincé cette phase dans le vide, hein, mais Dato qui n'arrive pas à l'achever. Et qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qui se passe? Malheureusement, il se fait brûler. Est-ce qu'il a tenté un Nada à l'emporter avec lui? Je pense trop d'hésitation. Il a pas choisi en fait ce qu'il voulait faire. Je pense que c'était un peu perdu entre aller sur lui, l'achever ou quoi. En tous les cas, Tech dans une mauvaise situation. Et Tech qui a eu peur, qui a préféré reculer un peu, qui malheureusement du coup n'est pas revenu. C'est le one stock match. C'est chaud, c'est tendu. Dato qui est bien là, qui tient bon. Malheureusement, petit combo de la part de Tech. Le grab un poil trop court, il l'avait vu que Dato était resté en bouclier. En plus, c'est joué vraiment d'rien. Il le suit. Le grab, il le court cette plateforme. Malheureusement, le tilt un poil mal timé. Du coup, il n'a pas pu enchaîner derrière. Le neutral qui passe, le monopole, le chaîne qui passe, pas il s'accroche derrière. Il le court cette plateforme, le back air. Reverse, plus de saut, mais ça s'accroche parfaitement. Joli sweet spot. Dato qui très vite prend ses distances. Il voit que c'est plus le moment là. Il a beaucoup trop pris. Il a beaucoup trop pris et c'est le shine. Victoire. Tech. Propre. Très très propre. C'était chaud. C'était chaud. Mais la dernière. La dernière. La stock.